Aujourd'hui les amis, dans Roblox, on va tenter de devenir le plus grand golfeur de tous les temps, ou plutôt devrais-je dire, le plus gros bourrin possible. Puisqu'on va vraiment essayer de tirer le plus loin. Oh, attention! Le plus loin. Waouh! Le plus éloigné. Ok, je pense que c'est une mauvaise idée de rester juste là. Oui, tu ne devrais pas rester là. Ah. Bon, évidemment, pour l'instant, on a absolument aucune puissance, et surtout, on a le club le moins puissant, ce qui fait que je vais tenter les 100 mètres, il y a moyen que ça passe, mais ça risque d'être compliqué, donc c'est parti, comment ça fonctionne? Ah, ok, il faut rester appuyé, sinon ça marche pas. Ah, ok, on a carrément une visée maintenant. Donc alors, je reste appuyé sur A, et je m'arrête, d'accord, dès que... Oh, attendez, vous êtes en train de me dire que je suis même les 30 mètres... 30 mètres, alors, attendez, il y a combien? 1, 2... Il y a 3 mètres, mais il y a marqué 30 mètres, bref. Ah, on a une indication qui montre... À quelle distance on peut se mettre. Donc, en théorie, je suis assez fort pour tirer de là, seulement. Bon, on va tenter. Oh, j'ai fait le 100%. C'est parfait, ça nous a permis d'avoir une victoire apparemment. Et j'imagine que j'ai gagné un petit peu d'argent, c'est exactement ça. On va pouvoir aller acheter directement un nouveau club et pourquoi pas de nouvelles balles. Alors, comment ça se passe? On a la possibilité ici d'avoir les améliorations. Moi, je vais dire que de la vitesse. Non, c'est pas ce qui va nous être utile pour tirer de loin. On va rajouter un peu de force et surtout de la précision. Ça va être utile par la suite. Mais attendez, on a gagné tellement d'argent. J'ai pu faire pas mal d'améliorations directement. Et je crois que j'ai un peu trop dépensé. J'ai même pas de quoi acheter. Oh, c'est 300$ pour pouvoir avoir la première caisse. Mais alors, du coup, c'est des caisses. Ah, d'accord. Il y a les boules de ce côté. Enfin, les balles de golf juste là. Et on a la possibilité d'avoir les pets ici pour progresser encore plus rapidement. Est-ce que je peux acheter? J'ai pas assez d'argent. Bon, bah, tant qu'à faire, je vais tout redépenser dans la force. Comme ça, cette fois-ci, on devrait pouvoir se mettre aux 100 mètres, les amis. Alors, attendez, regarde. Hop, hop. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, ok. Bon, j'ai même pas les 30 mètres. On y va. Boum. 97%, c'est pas mal. J'ai gagné. Waouh. En fait, il y a un événement sur le serveur qui fait x2,5 de cash. Et c'est pour ça que je gagne énormément d'argent. En tout cas, préparez-vous, les amis, car d'ici peu, on va tirer tellement fort qu'on devrait se trouver sur dans l'espace. C'est parti. C'est difficile d'être sur l'espace. Ah, une sur la lune, ok, mais. Oh! J'ai une balle de golf classique. Je pouvais pas avoir pire. Je l'avais déjà, en fait. Alors, attendez, balle. Ouais, c'est exactement ça. C'est bien la classique que j'avais. Bon, j'espère que cette fois-ci, on aura un petit peu plus de chance sur ce pet-là. C'est parti. Bon, après, ils ont l'air pas très rares, en vérité. J'ai eu l'ours basique. Eh bah, c'est le pire. Ah non, il y en a quand même un à 2%. Ça aurait été pas mal. Alors, les animaux de compagnie servent à quoi? Ils permettent d'avoir x1,1 de... Un peu tout, je crois. J'ai l'impression que ça donne x1,1 de cash, de précision et de force, c'est pas mal. Bon, ça se ressent pas forcément là, parce que, regardez, j'ai pas grand-chose. Par contre, j'ai pas mal d'argent, donc on va aller directement acheter la force. Ah, et c'est ici, avec nos victoires, ah oui, c'est complètement différent de l'argent, on va pouvoir débloquer les... Waouh, ça veut dire qu'en fait, il faut que je mette 10 000 trous pour avoir l'Inferno Club qui a l'air incroyable. Bon, bref, on verra ça tout à l'heure. En attendant, je dépense absolument tout dans la force. C'est ma priorité. Là, cette fois-ci, je pense que je vais être en mesure d'aller jusqu'aux 100 mètres. Il y a un terrain, en tout cas. Bon, j'ai pas beau. Mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Attends, est-ce que au moins je peux y croire? Oh, ah, il manque juste un peu de précision, mais il y a peut-être moyen que ça passe. Hein. Hop là. Ok. Ça va être compliqué. Bon, allez, je me mets là. Comme ça, au moins, on est sûr qu'avec. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, depuis le début, mais what? Je rate tout. Pourtant, j'ai fait 98%. C'est incroyable, je suis trop loin, quoi. Je vais me mettre là, tac, 93. Mais qu'est-ce qui se passe, les amis? Oula, il y a un truc qui va pas. Je vais me mettre là, alors. Voilà, c'est bon. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, on va essayer un truc, là. J'ai l'impression que je rate tout, là. Voilà, c'est bon. En fait, là, je pense que ma force est... Ouais, ok, ok. Ça, ma force par rapport à ma précision n'est pas équilibrée. Ce qui fait qu'il va falloir... changer ça avec un maximum d'achats. Alors, je pourrais mettre le x10. Ah, ça me permet d'avoir des réductions en plus. Hein. Et j'ai pu l'acheter. Attends, je suis passé à combien là? Je suis passé. Oh, parfait. Je suis passé à 23. Là, c'est bon. Tout est fait en sorte que. Est-ce que ça nous permet d'aller plus loin ou pas? Non, c'est vraiment la force qui va nous permettre d'aller plus loin. Allez, c'est parti. Là, cette fois-ci. Voilà. C'était ça le problème. Et on commence à gagner des 600$ par clic. C'est pas mal du tout. Allez, on y va. Bon, c'est pas très impressionnant pour l'instant. Je suis à 30 mètres, mais. On va s'améliorer, les amis. Vous. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Même si pour cela, il faudra que je dépense absolument tous mes Robux. Bon, déjà, allons dépenser notre cash avec la possibilité, cette fois-ci, je l'espère, d'avoir une balle bien meilleure que tout à l'heure. Je vais essayer de les collectionner. Ok, la boule de glace classique. C'est pas mal, je crois que c'était la deuxième. Même pas à 19%, c'est pas mal du tout. On va aller la tester immédiatement en espérant avoir un tronc d'arme maintenant. Ok, balle de golf classique. J'en achète une dernière et après les prochaines, je sais pas combien coûte. On verra, mais... Bam! Le tronc d'arbre. Parfait. Bon, ça va pas être ultra pratique, mais j'imagine que c'est le plus puissant qu'on a actuellement. Et attention, bon, l'ours classique. Comment on fait pour débloquer les prochaines? Est-ce qu'il faut avoir atteint une certaine distance ou pas? Je ne sais pas. C'est pas écrit. Bon, allez, je prends mon troisième pet, comme ça, on a l'équipe complète. Bon, on a que des ours pour l'instant, malheureusement. On va dépenser un petit peu dans la force. Ah, j'ai pas pu faire la précision. Attendez, je peux le faire peut-être en x1. En x1, tac, ça sera moins cher. Voilà, parfait. Hop, c'est bon, ça passe. 30 et 33, c'est assez équilibré en vérité. Et cette fois-ci,
Je devrais normalement pouvoir aller au moins entre les 30 et les 100. Ok, c'est pas mal. C'est pas trop mal, là, franchement. Oh, il y a des zones à x2. Ok, il faut que je l'attende. Ah, elle est partie, la zone à x2. Alors, j'ai la possibilité de réclamer quelques cadeaux qui vont nous mettre plutôt bien. Je sais pas comment ça me donne, à peu près 2 000 $. Et surtout, je vais avoir des potions, mes amis, qui vont nous permettre d'avoir des multiplicateurs de progression. Oh, j'ai 28 000 de cash. Alors, les potions, elles durent que 2 minutes et elles donnent x3 argent, x3 force, x3 gemmes. C'est pas énorme, mais par contre, il faut aller en profiter rapidement là. Donc, vite, on augmente ça, on augmente ça, on augmente ça. Là, je me suis mis bien. Niveau 50 dans les deux, dépassé. Si j'ai pas les 100 mètres là, je rage quitte. Allez, 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 allez. C'est bon, j'ai les 100 mètres. Je peux même aller un petit peu plus loin peut-être. Allez, on se met là. Oh, incroyable, quoi? 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 Mais what? Ok, parfait, les amis. Alors là, on est bien, je suis à la fin de la zone et j'ai la possibilité déjà de la terminer. Ah, c'est pas possible. C'est pas vrai, j'étais à 99%. Oh, allez, encore 100%. Il faut profiter tant que j'ai les potions. Mais quoi? Mais c'est pas possible. Je suis équilibré et j'ai la possibilité de tirer jusque-là. Et j'ai fait 100% surtout. Allez, 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 allez. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok, il va nous falloir le prochain club. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais allez. Là, ça passe, tant mieux. On va essayer de cumuler un maximum d'argent. Et normalement, on a la possibilité déjà d'acheter la prochaine zone. Qui a l'air incroyable. Le problème, c'est que c'est sûr que j'ai pas la puissance pour le faire. Allez, je tape d'ici, mais on va voir. Allez, allez, allez. Oh, si je le mets d'ici, je vais gagner tellement d'argent. Ah, c'est bon, ça nous a permis de débloquer, du coup, ça tombe bien, le nouveau club. Qui normalement s'est équipé directement derrière moi, comme ça. Allez, il faut absolument aller faire les améliorations immédiatement. Quoi? Mais c'est incroyable, ce truc là. Alors, j'ai la possibilité de prendre un overboard tellement stylé. Ouais, qui va nous permettre de. Même, j'ai même pas besoin d'augmenter la speed, je dépense pas d'argent dans la vitesse. Hop, je dépense l'argent là-dedans et surtout, on va essayer de débloquer. Ah, ok, c'est en fonction des zones. Les nouvelles. Alors, je vais prendre des fois 3, ça va être cool comme ça. 500 Robux, on va pouvoir directement augmenter la collection de manière bien plus rapide. Et pour la peine, je vais commencer avec les bêtes. C'est parti. Hop. Là, ce qui est cool, c'est qu'ils vont directement être normalement 3 fois meilleurs. Tu as besoin de plus d'argent. Ah, ok. Et ça va être le même problème ou pas? Hop. Non, c'est pas ça. 3x3. Ouverture automatique. Ah, ok. C'est parti. Attention. Attention. Bam. Waouh, j'ai 3 différentes. Et la plus rare, c'est la balle invisible qui est très très stylée. Et d'ailleurs, j'avais pas changé mon tronc d'arbre. Donc là, waouh, j'ai celle-là, la boule galactique. Oh, et la balle invisible me permet d'avoir x38. C'est incroyable. Attendez, je mets un seul tir, voir. J'ai pas été très précis, mais c'est bon, ça s'est passé. Ok, on est monté à 100 000 $, les amis. Ok, j'essaie de tirer d'ici, là. Sur l'overboard, c'est pas pratique, mais ça passe. Waouh, là, on progresse, hein. Alors, comment ça se passe? Je vais acheter ça. Non, non, il faut acheter des bêtes, il faut acheter des bêtes. 3 comme ça. Yep, c'est parti. Allez, donnez-moi des trucs de fou, là. 3 différents, déjà, ce serait cool. Ah, 3 serres. Ok, je crois que j'ai eu les pires. On va acheter de la chance, je crois. J'ai plus les multiplicateurs. On va pouvoir progresser tellement. Je vais les acheter. On va pouvoir progresser tellement rapidement. Ouah, wow, j'ai une licorne plus rare. La licorne plus rare, elle est à 29%. Bon, bah évidemment, alors j'équipe les meilleurs et on va pouvoir sûrement mettre plus de pets. Ah, seulement plus 1. Ok, je vais voir dans la boutique si j'ai pas la possibilité d'en acheter plus 3. Mais une chose est sûre, c'est que nous, on va se prendre absolument toutes les potions. Triple cash, triple gemme. Non, c'est quoi? Triple gemme? Elles servent à quoi les gemmes? J'ai pas vu ça encore. Attendez, j'essaye de tirer en même temps. Hop là. Oula, je crois que j'ai raté mon tir. Triple gemme, je vais le prendre. J'ai réussi. Je sais vraiment pas à quoi elles vont servir. Mais on va pouvoir les dépenser d'ici très peu de temps. Ah, mais attendez, j'avais un boost pack, j'aurais dû prendre ça peut-être. Oh, ah, quel dommage, bon, c'est pas grave. Tant qu'à faire, je prends celui-là, tant que j'y suis encore. Allez, c'est parti. Alors là, est-ce que j'ai la possibilité. Quoi? J'ai la possibilité d'aller jusqu'au bout de la zone, je crois. Oh, c'est parti. 100%. C'est. Ça passe. Yes. Oh. Ok, j'ai gagné 1 000 000. J'ai gagné 1 000 000, ça va pas nous permettre d'avoir la zone directement, mais encore 2 tirs comme ça, je pense, et on aura les 3 millions qui nous permettront de passer à la suite. Ça y est, là. On progresse vraiment rapidement, c'est un truc de fou. Bon, il me faut plus de bêtes. Pourquoi ça me téléporte là à chaque fois? J'ai l'impression que c'est comme si j'avais pas validé la zone ou un truc comme ça. Oh, attention. C'est parti. Ou alors c'est que j'avance. Ah oui, c'est que j'avançais en fait. Je vais juste appuyer sur Z. Allez, allez, allez. En fait, je croyais que j'étais là-bas et qu'il fallait l'aider à avancer. Let's go. Il manque encore un peu. Et je vais la débloquer, comme ça on va directement aller acheter des pets et des balles de cette zone. Ils seront beaucoup plus intéressants. C'est parti. Let's go. Achète. Achète. C'est bon. Parfait. Et j'ai déjà la possibilité de me mettre jusqu'ici, les amis. Hein. C'est incroyable. Attention, je sais pas si ça va passer. Hop là. Mais c'est un truc de fou, j'ai tellement d'avance sur la force. Bon, en même temps, en fait, le x3 force, je crois que ça nous a permis vraiment de pas forcément l'améliorer. Et pourtant, hop là, d'aller peut-être jusqu'à même la fin de la deuxième zone. Ok, donc 3 7 millions. Là, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Malheureusement, je peux pas passer aux autres caisses, c'est vraiment dommage. Donc, on va acheter celle-là pour l'instant. Avec, waouh, des balles de baseball et une autre balle de baseball. C'est que des balles de baseball ici? Une de glace. Ah, il y a 2 ballons de foot. Ok, il me faut le ballon de foot violet. Pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de chance sur les pets. C'est maintenant. Et hop là, c'est parti. Ok, on a eu l'autre ballon. On va aller acheter les pets d'ailleurs.
Ok. Là, il y a moyen de se mettre bien. Allez, allez, le légendaire, légendaire, légendaire. Tada, ok. J'ai pas acheté la chance encore. Je vais aller le prendre maintenant, si c'est possible. Oh, ok, Ivre des Abysses Pura. Attendez, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ah non, 25%. Dommage. J'équipe les meilleurs. Et alors là, on est rendu des trucs pas trop mal. Et je vais commencer à acheter ça. Attendez, ah non, ça c'est les emplacements. Moi, je vais acheter plus de pets pour moi. En attendant, je vais essayer de mettre quelques petites balles. Et hop, d'ailleurs, faut que je change ma balle. Je pense que j'en ai des meilleures là. Attention, on va aller la tester. Donc, quelle est ma meilleure? Équipe best. Ah, c'est celle de baseball sur glace. C'est parti! Bam! Wow. En fait, j'ai bien trop de puissance pour ce niveau. Il faut absolument que je passe à la prochaine zone. Hop là! Il n'y a pas de zone x2 là, je peux pas. J'ai la possibilité de faire des améliorations. Ah non, ça, je peux pas le faire encore. Peut-être là-bas, il y a un truc. Et ça y est, j'ai enfin assez d'argent pour débloquer la zone à 22 500 000. La progression est incroyable. J'achète ça immédiatement et on y est. Alors, est-ce que j'ai la possibilité déjà? Oh, oui, j'ai la possibilité de tirer jusque-là. Waouh, j'ai rattrapé celui-là. C'est parti. 100%. Ah, si, c'est bon, ça passe. J'avais l'impression que ça passait pas. C'était pas monté très haut. Allez, c'est parti. Ok, et alors là, quoi? J'ai gagné. Ah non, j'ai gagné 3 millions. Et ça y est, à force de mettre des goals, j'ai la possibilité de débloquer la Azure Club. J'en ai mis que 50. 51? Ah, c'est pas énorme. Bon, nous, on va débloquer cela. Alors là, il nous faut de la chance pour une fois. J'ai oublié d'acheter la luck. On va faire ça immédiatement. Balle de brique, boule de bois, balle de brique. Ok. Elles sont pas très belles, celles-là. Oh. Ah ouais, mais les deux meilleures, elles sont trop bien. Ok, il me faut plus de chance. Donc là, j'ai la possibilité de la prendre ici, la chance. Et on pourra faire des rebirths aussi. Ça peut être intéressant. Allez, avec un peu de chance, donnez-moi directement un truc de fou, s'il vous plaît. Tada! Wow! Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Des champignons? Non, c'est des arbres, je crois, mais attendez. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, non, mais c'est nul en fait. C'était un truc à 30%. Ok, donnez-moi un truc à 10%, s'il vous plaît. Ah, c'est pas vrai. Bon, ok. Je vais prendre des pets pour la peine. 750 000. Les trois. Non, non, c'est le pet, 750 000. Hydre, ok. Je sais même pas si j'ai assez d'argent encore. Ah, c'est bon. J'ai 10 millions quasiment. C'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'amélioration. D'ailleurs, je vais faire des améliorations de vitesse. Ça peut être pas mal. Ah, il me faudrait 39 millions. Ok, je vais faire ça. Non, c'est pas bon. C'est bon. Je suis pas à 7% près. C'est bon. Non, normalement, je suis plus rapide là. Ah ouais, mais c'est peut-être quand je... Oula, qu'est-ce que je fais? Quand je quitte le verboard, je pense. Et ça... Oh, incroyable. Bon, on va tester ici. Ça passait tout à l'heure, donc ça, il n'y a pas de raison que ça repasse pas. On va changer de balles et de pets. J'ai pris de quoi avoir 9 pets équipés. D'ailleurs, je vais en prendre un. Voir si je peux monter à au-delà de 10. Si je monte à au-delà de 10, ça va être n'importe quoi. Attention, oui, c'est ça. Je peux monter à plus de 10 pets. C'est n'importe quoi. Bon, là, ça suffit. Hein. En vérité, c'est pas trop mal. Au niveau des balles, c'est laquelle la meilleure maintenant? C'est la boule de briques qui est vraiment affreuse. Mais bon, hein, il faut bien passer par là. C'est parti. Bam! C'est passé. Bon, là, il faut monter à 100 millions de cash. C'est assez énorme. Et même si le jeu, il est très, très, très rapide et qu'on progresse bien, eh ben, peut-être qu'il faudrait que je trouve une solution. Il me faut des meilleurs pets ou un truc comme ça parce que là, ça va... Ouais, ça va pas assez vite. Moi, je veux mettre un seul all-in-one et que ça me donne... Attendez, je pense ça. 100 000. Ah mince, j'ai pas mis un like sous la vidéo. Sous le jeu, malheureusement. Je peux gagner 100 millions par all-in-one, moi. J'ai la possibilité de faire des rebirths. Ah, je peux déjà le faire. Ok, et boutique de jetons, ça me permettra de débloquer... Ah, j'ai déjà deux. Ok, alors attendez, je vais mettre... Plus que 5... Hein, chance des boules, multiplicateur... Oh, ok, multiplicateur d'argent. Ah mince, ok. Je vais mettre... Ball slot. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est plus de place dans mon inventaire. Alors, c'est ici qu'on a des enchantements. Oh. Ah ouais, nickel. Ok, donc je vais enchanter. Attends, il faut en prendre plusieurs. Non, enchanter, c'est parti. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est ça. Et ça me permet d'avoir plus 30% de force quand j'utilise cette balle-là. Alors, une idée qui serait pas mal pour gagner encore plus d'argent, ça serait d'acheter un pet en Robux. On va voir ce que ça donne. Je sais pas s'ils sont intéressants. J'en achète un seul, dans le doute. Et on va voir le multiplicateur qui nous permet d'avoir. Attention, j'aurais sûrement pas celui à 1%, mais pourquoi pas. Ok, je sais pas. J'ai eu Teddy. Je sais pas lequel c'est. C'est le... Ok, c'est le plus nul. Mais c'est sûrement le meilleur que j'ai actuellement. Alors, voyons voir. Hop, c'est parti. Il est où? Teddy? C'est lequel? Pourquoi je le vois pas dans mon inventaire? Pourquoi? Il y est pas. Samy, je me suis fait arnaquer, il n'est pas dans mon inventaire. J'ai dégoûté. Du coup là, oh c'est bon, j'avais même pas vu, j'ai les 100 millions. Mais ce qui va être le plus compliqué, ça va être vraiment de mettre un maximum de all-in-one puisque il nous faut des clubs bien meilleurs. Et on a la possibilité d'avoir des x16, sauf qu'il met 10 000. Attendez, mais en fait là t'es obligé d'AFK, t'es obligé de mettre le tir automatique et... Et vraiment... Ah, attendez, il y a le super autoplay. Ah, ouais, non, je vais pas le faire. Je pensais que ça allait me permettre de tirer plus vite, mais non. Bon, là, je vais pas m'embêter. Évidemment, j'arrive à tirer du bout de la zone. C'est incroyable. Mais surtout, il faut absolument que j'aille acheter de nouveaux pets, qu'on gagne plus d'argent. Donc là, j'ai accès, enfin, à ces pets-là. Hop, c'est parti. 3,5 millions. Ok, ça va.
J'ai encore plus de thunes que tout à l'heure, donc ça va. Bon, j'aimerais beaucoup avoir un légendaire. Pour l'instant, on n'a eu aucune chance sur les pets. On n'a même pas eu un seul meilleur de n'importe quelle boîte. On a quand même eu deux plus rares, là, ça fait plaisir, même s'ils sont seulement à 28%, c'est bien trop élevé. On a beaucoup de chance de l'avoir. J'en ouvre trois, mais ce qui m'intéresse le plus, les amis, ce sont bien évidemment les balles. Alors, il y a quoi là-dedans? Ah, ça fait un... On se croirait dans Crash Bandicoot avec les caisses comme ça, là. 1,2 million par boîte, c'est parti. Tada! Magnifique, magnifique. Les deux caisses autour du palmier, c'est trop beau, mais... Ah, j'ai plus de thunes! C'est pas vrai. Bon, bah là, niveau pet, autant vous dire qu'on s'est mis bien. J'équipe tout le monde. Mon Teddy n'est toujours pas là. Oh, je me suis fait arnaquer. Pour la peine, j'ai envie d'acheter l'autre pet pour voir, mais... Ah, je le sens pas. Je le sens pas. J'essaye. Je vais acheter le Galactic Egg. Pas le Galactic Box. Ah, mais non, mais ça, c'était une balle, en fait. Attendez. C'était une balle? Qui baisse? Oui, c'était une balle. Oh là là! Et oui, les pets, ce sont ceux-là. Donc, du coup, je vais acheter un pet pour le coup. Et je l'ai vu vite fait, mais je crois que le Teddy, c'était combien? C'était 260%, non? Attendez. Tada! Alien Serpent exclusif. C'est le meilleur ou pas celui-là? Alien Serpent. Oh, 30%, ça va, c'est le deuxième. Je suis quand même content. Équipe best. Et on a. Attention, il est où? La fois 12,5. C'est énorme, c'est énorme. Et alors, la balle, non, c'est 250. Hein. C'est énormissime. Là, le prochain tir, les amis, je vais gagner tellement d'argent. Et en plus, j'ai fait un 100%. Teddy. Oh, j'espère qu'il y a une animation. Oh, dommage, j'aurais voulu voir un truc électrique. J'ai gagné que. J'ai pas gagné tellement. Hein. J'ai pas gagné tellement d'argent. Comment ça se fait? Ça, c'est parce qu'il me faut un nouveau club. Il me faut un nouveau club. Il me faut le Void Club à x50. Non, peut-être pas. Bon, là, je progresse pas mal. Je suis à 194 millions. J'ai pas mal progressé en rank aussi. Attention. Voilà. Mais il faut surtout que j'aille enchanter mes différents outils. Alors, il est où, Teddy? Il est là. Enchanté. 750. Ok, ça m'a permis d'avoir quoi? J'ai eu accuracy de... Ok, de la précision. Et on va également... Ah, je peux pas enchanter les pets, hein. C'est seulement les balles. Bon, qu'est-ce que ça donne? Attention. Tada! Ça va passer bam, en plein dedans. Bon, en vérité, je suis pas hyper fan de la balle, même si c'est celle qui nous permet de progresser le plus rapidement. Ça ressemble plus vraiment à une balle. Il faut qu'on aille en acheter d'autres. Elles seront forcément moins bonnes, donc ça m'embête. Allez, le dernier coup, et on aura assez normalement. Les 475 millions sont pour nous. On est extrêmement blindés. Je suis devenu un expert, apparemment. Je sais pas à quoi ça sert, les ranks. Mais une chose est sûre, les amis, c'est que je peux payer pour les faire passer. Et on arrive maintenant à la zone de la ville. Avec la possibilité de tirer à 1720 mètres. Est-ce que ça va passer? Premier coup. Hop là. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un peu limite, mais non. C'est bon, ça passe. Et on a surtout débloqué les meilleures balles du jeu, les amis. Avec la possibilité d'avoir glace, un pilote et une balle énervée. Je veux l'œuf énervé en rouge comme ça. Ça pourrait être incroyable. C'était quoi celui d'ailleurs juste avant? Il avait l'air cool aussi. Oh, je l'ai eu! J'ai eu mon premier légendaire! Au meilleur pet, ça c'est parfait. L'autre, c'est quoi? C'est un Dominus. Ok, j'en ouvre 3 de plus pour la collection. C'est parti. Voilà. Ah, déçu. Un peu déçu. Je vais quand même. Ah oui, c'est 15 millions. Ok, je peux en acheter 15 seuls. J'aurais dû tirer 2-3 fois. C'est les œufs de la ville du coup et qui nous permettent d'avoir des surseigneurs de l'enfer. Alors, du coup, j'ai une nouvelle balle. On équipe la meilleure. C'est toujours celle-là la meilleure, malheureusement. Mais quand même, l'autre a 172. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Comme quoi, il n'y a vraiment pas besoin de dépenser des Robux pour avoir des bons trucs ici. Et le pet que j'ai eu, il me fait 3 x 2,7. C'est vraiment pas mal. Et les amis, nous sommes donc à la fin du jeu avec le tir le plus difficile de tout le temps. Bon, on l'a réussi juste avant, mais pas avec l'œuf. Et l'œuf est incroyable. Oh, wow, j'ai vraiment l'impression de le rater à chaque fois. Oula, j'ai tendance aussi à avancer. Allez, dernier tir. Et les amis, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Red Kill. C'est un 100% pour terminer. Et ciao.